world keep from messing it up. Yeah. I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. Je m'appelle Simona Nascu. Je suis en France depuis 2008. Je viens de Roumanie. Je m'appelle Mamadou Barijalo. Je suis venu d'Afrique, Ouest Afrique. Je suis venu de Guinée-Bissau. J'ai grandi au Portugal. J'ai habité au Portugal plus que 20 ans. Je travaillais dans la culture, dans les restaurants et dans les vendeuses. Je suis ici en France depuis 2008 et j'ai travaillé presque 10 ans dans le ménage. Parce que j'habitais à Londres, j'ai travaillé là-bas comme agent de sécurité et j'ai à faire un peu de nettoyage. J'ai parlé avec ma assistante sociale que je voudrais de faire un stage comme par exemple assistante dentaire. C'est elle qui m'a dit oui, c'est possible. Et que je suis capable, il m'a donné beaucoup de courage. C'est le Pôle emploi qui m'a indiqué pour venir ici, pour faire la formation de langue et numérique, pour faire quelque chose de ma vie, un autre boulot, un bon travail, dans le tourisme, parce que je parle plusieurs langues. Je sais bien que j'ai besoin encore de parler bien français pour m'intégrer ici, et que j'écris en langue française. Et pour un bon travail. Should've known better than to trust in love. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah. I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. Alors quand on parle de métier, on dira pas il a fait maçon. Il a travaillé comme il a travaillé, voilà, vous l'avez retrouvé. Et vous avez bien dit, il a travaillé comme. Toutes les jours que nous venons au cours, nous parlons de nouvelles choses, un autre matériel. Les professeurs nous expliquent très très bien pour nous faire comprendre bien, parce que nous ne sommes pas français, mais nous faire comprendre très bien avec l'explication comment faire et comment ça va faire. Je vais vous demander à vous maintenant de présenter votre parcours professionnel. Comme si vous étiez dans un petit entretien d'embauche. J'ai travaillé comme agent de service pendant 6 mois ici en Paris et j'étais aussi agent de libre service. J'ai été infirmière depuis 3 ans. Je voudrais être agent spécialisé des écoles maternelles. Avec langue française en grammaire, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'attends maintenant dans la rue quelqu'un qui parle et je sais bien, je peux, comment dire, je sais bien qu'est-ce que ça veut dire. Il y a les langues et il y a aussi le numérique, c'est avec l'ordinateur. Maintenant, on va du coup s'attaquer au traitement de texte, d'accord? Donc le traitement de texte, c'est l'outil qu'on utilise pour faire les CV, les lettres de motivation. Et vous allez voir que ça, vous allez réussir à le faire tout seul, sans problème. Ça, j'ai pas de doute. Et ben voilà, qui est lancé? Après, alors, texte. Voilà, vous choisissez texte, comme vous, voilà, ouais. Texte. Et donc, vous pouvez améliorer votre CV, votre lettre de motivation. Il faut se jeter à l'eau, il faut faire des erreurs, et puis comme ça, on les corrige après. Informatique, c'est par exemple comme on envoie un email, qu'on se débrouille, je ne sais pas, quand on va faire un virement. Bon, il y a beaucoup de choses que je peux dire, moi, avant, je connais pas, je ne sais pas de faire du tout. Vous allez écrire votre prénom. Allez-y. Vous écrivez votre prénom. Donc là, moi, j'écris mon ça. Alors, ton prénom, tu
Tu connais même plus ton prénom, tu me mets ton nom à la place. Oui, ok. C'est vrai que tout le monde dit ils sont gentils avec nous, les professeurs, les tous. Ils donnent du courage, ils expliquent vraiment bien, ils s'occupent de nous. On est à l'aise et c'est important ça pour nous. J'ai appris beaucoup de choses que même moi, après 5-6 ans ici, que jamais que je sais. Avec l'ordinateur, nous savons comment utiliser, comment faire l'Excel, le Word. Avant, je ne savais pas du tout comment je vais envoyer un email. Maintenant, je sais bien et je peux faire à plusieurs personnes. Je suis contente. Et puis, on a appris comment on peut chercher, par exemple, un travail, un stage, je ne sais pas, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous avons 3 fois par semaine le numérique et le restant, les langues, et l'exercice pour le projet de travail. C'est lié au CV pour nous préparer comment chercher pour un travail, comment faire les choses de le Pôle emploi, de mon espace professionnel, et de chercher de l'emploi. C'est beaucoup de choses. On ne signe pas quelque chose qu'on n'a pas compris. On ne signe pas une démission. On ne signe pas une modification de son contrat de travail, disant que ça ne va pas, tu sais, l'entreprise elle a beaucoup de difficultés. Alors, tu étais à 40 heures, on va te passer à 30 heures, tu es d'accord? Puis je te garde hein, parce que tu es une bonne ouvrière. Alors, tiens, tu me signes? Non, ce n'est pas ça. Mon contrat, il était de 40 heures. Il faut vraiment que je sois d'accord pour passer à 30 heures. Je ne vais pas abandonner quelque chose, il n'a pas le droit de faire ça. J'insiste là-dessus parce que c'est la base du contrat de travail. Le contrat, c'est la base. L'important, c'est le contrat. Qu'est-ce que c'est le CDI, le CDD, les syndicats, qui aussi sont très importants, sécurité du travail, les... Pour payer les taxes, les discounts, le fiche de paye. C'est la première fois que quelqu'un m'a parlé de ça. Jamais aucune personne m'a parlé de ça.